Salut à tous, c'est Barracuda. Aujourd'hui, présentation totalement barrée. Attention, parce qu'on se retrouve sur Saints Row 4. Donc, comme je vous l'avais promis, je vous fais la présentation de ce jeu. Comme vous le savez, chose promise, chose due, je fais tout le temps ce que j'ai prévu. Donc, on se retrouve sur ce jeu totalement barré qui est Saints Row 4. Et vous pouvez le constater tout de suite, ça démarre fort ici. Au début de la vidéo, vous allez voir déjà un peu l'étendue de la connerie, dans le sens positif, hein, bien sûr, dans le sens positif, l'étendue de la connerie de ce jeu, parce que c'est vraiment excellent. Donc je vous signale qu'au départ, moi j'étais pas vraiment emballé par ce Saints Row 4, je trouvais pas ça vraiment digne d'intérêt, et j'avais tort, parce que franchement, j'ai décidé de l'acheter, et j'ai vraiment constaté que franchement ça m'a plu, donc je m'étais trompé, vous savez, comme vous voyez, on peut pas toujours avoir raison, voilà, ben là je m'étais trompé, c'était bien le cas, j'ai eu tort, et j'ai bien fait d'ailleurs de l'acheter puis de le tester, parce que franchement, c'est... J'aurais été dégoûté de rester sur ce préjugé, parce que franchement, le jeu, finalement, il m'intéresse beaucoup. Et je sais pas pourquoi, mais il m'a séduit. Il y a un petit truc qui a fait... Bon, c'est l'esprit Saints Row habituel, hein, totalement barré, totalement du grand n'importe quoi. C'est ça aussi qui m'a conquis. Et justement, à l'annonce, j'avais vu les trailers et tout, puis à l'annonce du jeu, quand j'ai entendu qu'il allait y avoir des super pouvoirs et tout, je croyais qu'ils allaient partir dans un truc plus ou moins débile, donc j'étais... Merde. Il me fait voler en dehors. J'ai cru qu'ils allaient partir dans un truc totalement débile. Donc du coup, je suis un peu inquiété. Je dis ouh là là, qu'est-ce qu'ils font? On aurait pu être dans du Saints Row pur et dur. On va commencer à sombrer dans la connerie. Et finalement, non. J'ai remarqué qu'ils ont bien su manier leur trip super-héros, leur trip super-foire, etc. Bon, tu vas dégager, toi. Tu vas arrêter de castagner le mec à terre. Il me bloque le passage. Ah, mais t'as le chic de te mettre devant moi, toi, dis donc. Bon, alors on va prendre une arme. Voilà. Donc comme je vous disais, moi j'avais peur que la série Saints Row perde de son identité avec ce titre. Parce que mine de rien, d'habitude Saints Row, moi j'ai toujours pensé que c'était un peu là. C'était un peu un jeu qui parodiait... C'est toujours un jeu qui parodiait les GTA. Donc là on se retrouve un peu sur un truc un peu différent. Vu que là on est plus sur une copie bête et méchante d'un GTA-like classique TPS. Là, on est sur un TPS un peu shooté au super pouvoir. Donc on va devoir s'en servir, hein, bien sûr, tout au long du jeu, ils auront une utilité. Franchement, on se sert quasiment que de ça. Et dès qu'on a les bons super pouvoirs, dès qu'on arrive à bien les manier, on commence à devenir un surhomme. On commence là à bien manier le jeu. C'est ça, et les super pouvoirs, c'est la clé de ce jeu. Hein. Ils ont vraiment tout misé là-dessus. Et d'ailleurs, ils l'avaient dit, hein, ils avaient dit qu'ils miseraient grandement là-dessus et qu'ils feraient exprès de justement de les faire contribuer un maximum. Pour un peu renouveler l'esprit Saints Row, parce qu'ils avaient peut-être l'impression, peut-être qu'à leur sens, ils avaient l'impression que ça tourne en rond. Moi je suis pas déçu finalement, malgré les inquiétudes que j'avais sur le résultat que ça allait donner. Finalement, bah, j'ai su me rendre compte que ça donnait plutôt bien, et bah, j'ai su apprendre de mes erreurs. Oula, bug de texture ici. Et j'ai su. Il est où lui? Ah merde, il est là. Faut que j'aille le réanimer, style. Pourquoi il s'est fait tuer là? Elle est réanimée. Merci, tu vas me faire tuer, c'est gentil. J'ai failli mourir à cause de lui, quoi. Ouais, l'IA est perfectible. C'est vrai que j'avais prévu de vous en parler un peu après dans la vidéo. C'est vrai que l'IA a toujours un souci, même s'ils se sont améliorés de ce côté-là. C'est vrai qu'on est loin. On est loin d'être parfait. Il y a toujours de gros problèmes avec l'IA qui généralement, bah, sait pas trop quoi faire. Et a plutôt tendance à courir dans tous les sens, à faire n'importe quoi, ou bien à tirer à côté que de tirer réellement sur les ennemis. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon. Ah, je suis mort. Ok, j'ai rien compris ce qui s'est passé là. Bon, c'est pas grave, on va recommencer depuis le checkpoint. Ouais, c'est vrai qu'en vous parlant, c'est pas simple, d'autant plus que d'habitude je joue au clavier sur PC. Et là, bah, j'ai dû mettre la manette par petit souci. J'ai eu un petit problème avec mon clavier. Je crois que les batteries sont... Merde, le con! Je crois que les batteries sont down. Donc du coup, j'ai de la merde avec mon clavier. Ça fait que je peux pas l'utiliser pour le moment pour jouer, parce qu'il ne capte plus rien. Donc oui, je vous ai pas précisé, mais on est sur la version PC. Hein. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que j'ai décidé de le prendre sur PC. Moi, souvent, quand les jeux sont multiplateformes, je les prends sur PC. Vous avez un peu l'habitude, hein, maintenant, ça fait déjà pas mal de temps que je fais ça. Et bah là, comme j'ai un nouveau PC depuis un petit moment, vous le savez, donc je profite un peu de ces performances qui sont au top pour m'essayer à divers jeux, même si celui-ci n'est pas très gourmand, franchement. Pour ceux qui se demandent si la version s'ils font tourner, pardon, la version PC de Assassin's Creed 4, bah moi je vous dis qu'il n'y a pas de souci, il faut pas une bête de course du tout.
Puisque, bon, là en l'occurrence, je suis avec une GTX 770, hein, vous savez, config de d'habitude, et un i5. Moi j'ai appris qu'on le faisait tourner correctement à partir du moment où on avait une GTX 580, même 570. On peut arriver à le faire tourner en ultra, donc c'est vrai que c'est pas très gourmand. C'est pas un jeu qui est magnifique, hein, loin de là, il y a de gros soucis, notamment au niveau de certaines textures qui sont un peu baveuses sur les bords. Il y a des soucis d'aliasing, bah, comme dans beaucoup de jeux d'ailleurs. Comme dans beaucoup de jeux, hein, l'aliasing, c'est vrai que c'est un souci qui a beaucoup de nos jours. Il y a des soucis d'aliasing, enfin bref, il y a des soucis. Par contre, j'ai pas vraiment repéré de soucis de caméra. Alors ça, c'est plutôt un bon point, parce que d'habitude, sur les TPS, j'ai souvent des soucis de caméra. À part vraiment sur GTA 4 et tout, enfin sur les GTO, j'ai quasiment jamais de soucis, parce que les caméras sont très bien agencées. Les positions de caméra sont très bien agencées. Là, j'ai été agréablement surpris, pardon, je suis déconcentré par ces vilaines canettes, là. On combat des canettes, c'est vraiment l'univers what the fuck de Saints Row 4. Enfin, de Saints Row en général, ça a toujours été plus ou moins barré. Bon, là, c'est encore plus barré, franchement, ceux qui aimaient un peu l'aspect barré des Saints Row, vous allez pas être déçus, parce qu'avec celui-ci, on sombre totalement dans la folie, c'est pas... Mais ça m'a pas déplu, franchement, ça sombre dans la folie, parfois même dans l'imbécilité sans être médiocre, c'est tout le temps excellent. Moi, tous les passages m'ont fait rire. Hein. Il y a vraiment beaucoup de passages qui m'ont fait marrer. Notamment celui-ci, la première fois que je l'ai fait, il m'a beaucoup fait rire. Et il m'a vraiment plu. Ce passage avec Paul, le géant de canette, qui m'a fait bien marrer. Donc, ouais, je vous ai pas expliqué le principe du jeu, le pitch. Donc, en fait, c'est simple. Hein. Au début du jeu, on est contre une bande de terroristes. Bon, ça défile, on tue le chef, etc. Ensuite, dès qu'on a tué le chef des terroristes, eh ben, on se retrouve après une scène d'action mirobolante. On se retrouve dans le siège du président des États-Unis. Ouais, je sais, c'est un peu con, mais bon, encore une fois, ça ne se oblige. On se retrouve dans le siège, donc, du président des États-Unis et bah comme vous savez, Saints Row oblige, rien ne se passe comme c'était prévu. Donc bah on a tout de suite des aliens qui viennent un peu nous emmerder. Ouh là, il m'a lancé un truc dessus. On a des aliens qui viennent nous emmerder et qui nous attaquent, les fameux les Zins, ils s'appellent comme ça, avec leur chef Zignac qui est un tyran abominable qui veut donc détruire la planète. On sait pas trop pourquoi, mais il veut détruire la planète. On n'a pas beaucoup d'explications là-dessus. Mais bon, toujours est-il qu'il veut détruire la planète. On sait pas vraiment pourquoi, mais bon, c'est sûr, il le fait. Il a vraiment la volonté de le faire parce que, bon, après, le déroulement, c'est simple. On se fait enlever par ce fameux Zignac parce que notre héros est un peu trop téméraire. S'est fait un peu avoir comme un con. Et on se fait piéger par le fameux Zignac. Et il nous enferme donc dans une simulation de vie, dans une steelport virtuelle, constamment plongée dans le noir. Donc comme vous voyez là, c'est pas propre à ce niveau, hein, la pénombre qu'on a ici, c'est tout le temps comme ça, mis à part, oula, il m'attaque lui, mis à part quelques niveaux où on est dans le jour, généralement on est tout le temps dans une obscurité. Dans une obscurité permanente, hein, c'est vraiment une steelport sombre. Plongé dans l'obscurité donc tout le temps. Donc pour ceux qui se demandaient s'il y avait vraiment un cycle jour-nuit, bah non, il n'y a pas de cycle jour-nuit parce que tout simplement ils ont pas décidé d'intégrer un cycle jour-nuit, ils ont décidé de mettre la simulation, enfin de faire en sorte que la simulation se déroule toujours dans le noir. Moi je trouve que ça a ses avantages et ça a ses défauts. Moi la chose que j'ai regretté, c'est juste que je trouve justement le moteur graphique de Saints Row un peu plus à l'aise sur les environnements de jour. Bon, c'est vrai que quand même de nuit on a quand même de beaux jeux de lumière, hein. On a toutes sortes de jeux de lumière qui sont assez jolis. Et bon, c'est pas moche. Bon, je vais dire c'est pas moche, et ça reste un peu daté. Là, si je devais qualifier un peu si je devais dire un truc pour qualifier le moteur graphique de ce Saints Row, je dirais plutôt que c'est un moteur graphique Saints Row 3.5, parce qu'on reprend quasiment les mêmes choses, quasiment, c'est quasiment identique. À part, comme je vous l'ai dit avant, certaines textures qui sont plus fines, sinon on est exactement sur le même ordre, sur à peu près le même moteur qui était disponible sur Saints Row 3. Donc un moteur qui commence à avoir un peu d'âge, ça on va pas se le cacher. Mais bon, il continue quand même à réussir à donner des environnements qui sont, ma foi, bien soignés. Notamment au niveau des couleurs, des jeux de lumière. C'est vrai qu'il développe de belles couleurs et de beaux jeux de lumière.
Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir. Sur certains passages, je l'ai trouvé vraiment joli le jeu, tandis que sur d'autres, je l'ai trouvé vraiment dégueulasse. Franchement, c'est relatif après au passage. C'est vraiment relatif au passage dans lequel vous êtes. Il y a des passages qui seront beaux, voire très beaux, et d'autres qui seront beaucoup moins beaux. C'est un peu le syndrome Call of Duty, quoi. Même si dans Call of Duty, bon, maintenant ça date encore plus, donc tout est un peu plus daté. Là, c'est quand même un peu plus beau sur Saints Row 4. Mais bon, sur l'aspect technique, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est daté et c'est pas vraiment le genre de. C'est pas du Battlefield 3, quoi. Vous l'aurez compris. C'est pas un jeu qui est là pour faire vitrine technologique. C'est un jeu qui est très sympa, qui est sympa graphiquement, mais voilà, qui casse pas des briques. Je veux dire, en général, quand on va sur Saints Row, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche surtout à s'éclater, on cherche surtout du fun entre potes pour ceux qui font de la coop. C'est vrai que la coop, elle est très importante dans les Saints Row. Moi, là, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester en coop, mais ça ne saurait tarder parce que franchement, la coop, c'est ce qui est vraiment d'intéressant dans Saints Row. Bah là, ce Saints Row 4, c'est pas. Il déroge pas à la règle, hein, parce que la coop, à ce que j'en ai entendu, est excellente, tout comme les précédents opus, elle est bien agencée, on a de bonnes idées sur la coop, bon ça c'est normal, c'est un jeu qui se veut très axé coop. C'est vrai que c'est plus sympa de le faire entre potes, moi je vous conseille si vous avez des potes, si vous avez des potes dispo, des potes qui peuvent jouer avec vous, bah, n'hésitez pas à leur demander de le faire en coop, parce que franchement la coop, ça déchire tout sur ce jeu. Même si en solo on s'amuse plutôt bien, bon, il y a moyen de s'amuser en solo, mais bon, vous vous amuserez pas autant en solo qu'en coop. C'est ce que j'ai remarqué. Moi, parfois, je suis un peu emmerdé. Bon, c'est vrai que j'ai toujours un peu ri, parce qu'il y a beaucoup de passages qui font rire. Notamment, j'ai pas précisé, mais il y a beaucoup également de références à d'autres titres vidéoludiques qui m'ont fait vachement plaisir. Il y a notamment des références à Street of Rage, et des références à Metal Gear Solid à un certain moment. Il y a des références à plein de trucs. Bon, après, je les ai pas toutes retenues. Bah, je vous laisse les chercher par vous-même. Ça vous fera un petit jeu quand vous aurez Saints Row 4. Ça vous fera un petit truc à faire. On va achever Paul, tiens. Vous chercherez un peu toutes les références qui sont disponibles et vous verrez, il y en a à gogo. Franchement, je vous l'assure, quand vous testerez le jeu, vous. Si vous avez de grosses connaissances et que vous connaissez plein de titres en matière de jeux vidéo, bah vous reconnaîtrez facilement les références. Souvent, c'est des trucs assez bateaux, mais qui sont quand même assez sympas à découvrir. Moi, j'ai pris vraiment du plaisir à découvrir toutes ces références, ça m'a fait beaucoup rire. Et j'ai eu un grand faible pour la référence à Street of Rage, Street of Rage que j'apprécie beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir qu'ils ont fait cette référence. Donc là, on a fini la mission que je voulais vous montrer. J'en ai profité donc pour vous montrer un peu les super pouvoirs, parce que je sais, vous attendez que ça. Hein. J'ai fait exprès comme un enfoiré avant de vous faire patienter. Non, je rigole, mais je voulais vraiment vous montrer cette mission, parce que moi, elle m'a fait vraiment marrer avec la canette géante. C'est une mission que j'ai adorée. Donc voilà. Donc après, de quoi je vous parlais? Oui, je vous ai parlé de l'aspect technique, je vous ai parlé un peu. Bon, au niveau du gameplay, je vous ai dit qu'il n'y avait pas trop de soucis. Hein. Je vous ai dit que j'ai vraiment adoré. Les super pouvoirs et tout, c'est bien foutu. Ça se gère parfaitement. Ah bah non, tiens, tant qu'on est là, j'en profite pour vous montrer un peu le vaisseau qui, comment dire, est le cœur du jeu, hein, quand même. Donc voilà. Donc là, voilà, c'est tout simplement le portail pour entrer dans la simulation. Donc ici, le vaisseau sert de portail à la simulation. Hein. Donc là, vous avez. Il sert de hub tout simplement pour accéder à divers emplacements de la ville via comment dire des portails qui sont disséminés un peu partout dans Steelport. Mais on peut faire également d'autres choses hein, dans ce vaisseau. On a également tous nos membres d'équipage qui y sont regroupés. Donc j'ai essayé de vous présenter à peu près tout ce beau monde. Voilà, donc là on a voilà, là on a Matt Miller qui est là. L'informaticien de la bande, hein, celui qui bidouille un peu tout, celui qui bidouille les circuits informatiques et tout. On a aussi Kenzie qui s'occupe aussi de ça. Bah, je vais vous la montrer d'ailleurs, elle doit être là-bas. Comme ça vous permettra de visiter un petit peu le vaisseau, ça peut faire plaisir, ça peut toujours faire plaisir. En tout cas, il est très Mass Effectien, ce vaisseau. Ah, il y a aussi une référence à Mass Effect, je voudrais vous montrer, il faudrait juste que je trouve un personnage comme Shondi.
Voilà les lents. Donc notamment, voilà, il y a un système de romance. Donc là, comme vous voyez, je peux séduire Shondi, un peu pompé sur Mass Effect 3. Comme vous savez, c'était disponible dans Mass Effect 3, ce système de romance où on pouvait avoir voilà des petites histoires d'amour comme ça avec les membres de l'équipage. Bah là, c'est pareil ici. Je sais pas si c'est une référence. Encore une fois, je vais avoir des références partout. Je sais pas si c'en est une, mais ma foi, ça. Ouais, j'ai pensé à ça. Donc voilà, on peut séduire Shondi, comme vous voyez, je vais vous montrer en quoi ça consiste, hein, c'est tout simple. En gros, si tu veux baiser, elle dit oui, puis hop, c'est parti, tout simplement. C'est aussi vulgaire que ça. Voilà, donc il y a un petit petite discussion entre les deux personnages, et hop, après, c'est emballé, c'est pesé, c'est bon, allez. C'est vite fait, c'est bon, ça va vite. Ils se prennent pas trop la tête, les personnages avec ça, en général, ils sont assez dévergondés sur ce plan-là, ils sont assez ouverts. Ils sont très ouverts sexuellement, les personnages. Donc après, on peut séduire absolument tout le monde. Hein. Donc comme vous voyez, homme, femme et robot aussi. Parce qu'il y a aussi un robot dans l'équipage, je vais vous le montrer. D'ailleurs, il s'appelle Sid, il est assez rigolo. Il m'a fait, voilà, on a fini nos petites affaires avec Shondi. Donc maintenant, je vais vous montrer... Bon, il n'y a personne ici. Je vais vous montrer un peu Sid, et c'est assez rigolo, justement, le passage avec Sid quand on... Quand on séduit Sid, donc il est ici. Voilà, voilà notre fameux Sid. Et je vais le séduire et vous allez voir, c'est assez rigolo. C'est excellent que le petit sifflement. Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est juste là pour faire un peu rire. Pour faire un peu. Ouais, Saints Row oblige. On est encore dans la déconnade des plus profondes, hein, une fois de plus. Et bah voilà, c'est vraiment sympa. Donc ce vaisseau, il sert tout simplement de hub, hein, comme je vous l'ai dit, pour rentrer dans la simulation. Il sert aussi un peu de forum, de lieu de connexion entre les divers protagonistes du jeu. Donc comme vous voyez, on peut rencontrer tous les membres de l'équipage. Je vous ai pas montré tout le monde, mais voilà, vous avez un peu compris le principe. Ouais, il n'y a pas vraiment besoin de s'attarder plus là-dessus. On va rentrer dans la simulation. Je vais essayer de vous montrer un passage où il faudra utiliser le super pouvoir. J'ai peut-être changé de sauvegarde. Ouais, peut-être que ce serait bien. Je vais regarder sur quelle sauvegarde je suis. Et non, c'est pas là. Je vais regarder sur quelle sauvegarde je suis. Et je vais peut-être vous en mettre une autre dans laquelle je pourrais bien vous montrer les super pouvoirs. Donc là, je sais pas. Ah non, ça c'est la fin. Donc comme vous voyez, je l'ai pas fini à 100%. Moi, j'ai juste fini l'histoire principale. Après, il y a encore plein de trucs à faire. Comme dans les précédents, vous avez les missions Carnage, etc. Où vous devez faire le plus de dégâts possible. Vous avez des missions du professeur Genki, où vous devez bazarder des items dans des cibles grâce au pouvoir de télékinésie. Vous avez plein de trucs, franchement, vous avez plein de trucs à faire. Non, je pense qu'on va rester dans celui-là parce que sinon, je vais vous spoiler. J'ai pas vraiment envie de. Non, non, j'ai pas envie de vous spoiler donc. Ah non, j'ai fait sauvegarder. Bon, c'est pas grave. Donc on va prendre celle-ci. Celle-ci, je pense que vous allez pas être spoilé. C'est vrai, j'ai le souci de vous spoiler. Bon, il n'y a pas vraiment de truc à spoiler, mais bon, je me méfie quand même. Là, par contre, je sais pas quelle mission on a. J'ai regardé tout de suite. Donc là, comme vous voyez, on entre dans la simulation. Donc on choisit une antichambre, hein, pour accéder à la simulation. Et comme vous voyez, on y est très vite. Un petit temps de chargement et puis c'est tout de suite joué. Donc alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah non, 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 ça va pas. Je pourrais pas vous montrer les super pouvoirs. Sauver HO. Ah non, 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 il n'y a pas de super pouvoir là-dedans. Ce que je peux faire, c'est que je peux vous montrer alors dans ce cas-là une activité qui utilise les super pouvoirs. Alors là, je suis pas trop expert en activité. J'essaie de vous en trouver une. Alors, non, pas de course, non. Non, ça c'est pas la peine. En l'occurrence, une activité du professeur Genki serait vraiment très bien. Bon, sinon, on peut aller faire. Attendez, je vais voir la zone d'action. Bon, on va aller faire une zone d'action, comme ça je vais pouvoir un peu vous montrer les super pouvoirs sur les ennemis. Et ça vous permettra justement de découvrir les Zin, qui sont nos ennemis du jeu, qui est la race alien, donc qui veut. Qui a détruit notre planète. Donc je précise, voilà, la planète est entièrement détruite. Là, on retourne pas, au cours du jeu, on retourne pas du tout dans la vraie Stillwater. Steel Purple Stillwater, je pense, c'est dans un autre jeu, ça. Ah ouais, c'est...
Ah, c'est dans Red Dead, je crois, Stillwater. C'est pour ça que j'ai dit ça. Ouais, donc dans Steelport, bref, excusez-moi pour l'erreur. Donc on retourne pas du tout dans la vraie Steelport, on est tout le temps dans la simulation, vu que la vraie Steelport est détruite au tout début du jeu quasiment. Donc voilà, on est toujours. Bon, j'ai utilisé Super Foire, j'ai évité d'utiliser les. Voilà, les. Donc là, vous avez la télékinésie, pardon. Tout simple, ça vous permet de bazarder tout ce que vous voulez, voiture, homme, ennemi. Alien, etc. Vous pouvez balancer exactement tout ce que vous voulez. Ça vous permet de tuer vos ennemis en balançant des items dessus. Voilà, donc là je vais lui balancer. Je peux même saisir l'ennemi, vous voyez, puis le balancer. Hop. Meurtre télékinésie. Après j'ai différents super pouvoirs. Donc là vous les voyez sur la roue, ils sont ici là. Ah, je les ai pas tous là, comme je suis pas très avancé, hein, sauvegarde que j'ai pris. J'ai le super écrasement. Bon, j'ai déjà le super écrasement, c'est bien. Donc là il suffit de sauter. Voilà. Et hop, on envoie une charge au sol, qui détruit quasiment tout sur son passage. On a aussi des pouvoirs, voilà, on peut glacer les ennemis. Comme ceci. On a également du feu. Également. Ah, ouais, si je l'ai, c'est bon. Là. On a du feu et là, tout simplement, je vais faire cramer mon ennemi. Par contre, faut attendre que ça se recharge. Parce qu'il y a une jauge de rechargement pour les super pouvoirs. Donc là, voilà. Donc là, c'est rechargé, je peux lui balancer le feu, voilà. Bon, il se l'est pris, il est mort. Bon, vous avez tous les pouvoirs, les super pouvoirs comme ça classique. Bon, là, pour l'instant, j'ai que ceux-là. Dans cette sauvegarde-là, j'ai que la télékinésie, le super écrasement et le feu. Ah, lui, il est dans l'eau, j'ai l'attrapé justement. Hop. Voilà. Voilà, zone d'action effectuée. Voilà, on a conquis la zone, ça y est, c'est fait. Et tiens, prends ça, toi. Attends, toi, je vais t'attraper. Hop, tiens, elle est dans ton pote, c'est bon. Donc voilà, je pense que je vous ai assez montré un peu ça. Je peux vous montrer une autre activité. Après, il y a d'autres activités aussi. Donc, carte, qu'est-ce qu'il y a à proximité? On va voir. Alors, fraude. Inconnu, ça c'est un magasin. Jeu. Bon, on va peut-être aller là. Allez, on va voir ce qui se passe là-bas. Donc là, super foire basique, hein, je vous l'ai pas dit, mais bon, vous pouvez. Là, ça s'appelle. Vous avez le super sprint, donc voilà, ça consiste, voilà, on peut sprinter, on envole tout sur son passage, les bagnoles, etc. On a le super saut qui nous permet de faire des bonds assez hallucinants. On peut également, à cette manière, monter sur les immeubles. Donc là, je vous le montre, voilà, vous pouvez monter en vous aidant des murs. Je me fais canarder. Ah, le jeu, il était là. Il est ici, ce fameux jeu. On va voir ce que c'est. Ah non, non, ça c'est nul. Ça c'est nul. Je suis désolé mais c'est nul. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Punaise, je voudrais bien vous montrer un truc intéressant. Club de baston. Ah bah oui, tiens, ça me permettra de vous montrer encore un peu les super pouvoirs, puis on s'arrêtera là-dessus. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je vous ai parlé. Bon, après il y a la bande son, j'en ai pas parlé. Bon, ça va, bande son, il y a beaucoup de titres disponibles. Hein. Les radios, j'ai pas tout écouté. Et vous avez. Ah oui, vous avez les radios qui vous sont implantées directement dans le cerveau. Comme. Enfin, ils ont pensé à ça, ce qu'on a pu. C'est vrai que la voiture est relativement inutile, du coup, comme on a les super pouvoirs. Donc, du coup, ils ont pensé à intégrer les stations de radio dans le cerveau directement de notre personnage. Ce qui nous permet d'écouter la musique à n'importe quel moment, en marchant et tout. Donc, la musique, ça s'est varié, il y a du classique, il y a du rock, il me semble, il y a de l'électro. Moi, j'ai plutôt entendu beaucoup d'électro. Après, je sais pas, ça me paraît pas si varié que ça, mais bon, il y a quand même des titres qui sont assez sympas. Après, la bande son niveau des armes et tout. Hop, voilà, toi, je te fais un petit écrasement. Télékinésie, je peux m'amuser à l'attraper. Hop, voilà. Attention, il va me tirer dessus. C'est des fous. Ah, il meurt vite. Hop, toi, tu m'auras pas. Donc voilà, comme je vous ai dit, voilà, musique et tout, on a les radios qui sont assez variées, donc c'est assez sympa. Oh, il se tue vite, j'ai en profité pour gagner du temps. Hop, allez, claquer, hop, il y en a d'autres. Non, il me semble que. Non, vague suivante, faut attendre. Donc là, c'est un peu. Là, c'est le club de baston, donc en fait, le principe, c'est que vous allez affronter tout simplement des vagues d'ennemis. Plusieurs vagues d'ennemis. Et il vous faudra aller le plus vite possible pour décrocher la médaille d'or. Donc j'ai pas encore vraiment décroché de médaille d'or, parce que j'ai pas beaucoup joué à ça. Mais comme vous voyez, là c'est vraiment équilibré. Parce que tous les ennemis, ils ont les mêmes super pouvoirs que moi. Donc il faut vraiment que je fasse gaffe, que je l'utilise mieux qu'eux. Donc là, ça demande vraiment une grande.
Une grande maîtrise, putain, mais bon, ils vont arrêter de m'emmerder. Eh oh oh! Eh doucement là! Mais ils sont cinglés! Donc il faut vraiment une. C'est pas possible. Il faut bien maîtriser les super pouvoirs. Hop, tiens, toi je te claque, voilà. Il faut bien maîtriser les super pouvoirs, il faut les maîtriser. Faut aller le plus vite possible pour tous les tuer, pour donc faire le meilleur score. Bon, c'est assez sympa, je l'ai fait qu'une fois pour l'instant, ce qui. Il y a un moment, c'était obligatoire de le faire dans le jeu. Donc je l'ai fait et j'ai trouvé ça sympa. C'est vrai que c'est assez sympa de se battre à armes égales avec un peu les persos qui d'habitude sont un peu désavantagés par rapport à nous. C'est vrai que les super pouvoirs sont un peu cheatés. Hein, parce qu'on a. On a vraiment, comme je vous le dis, à partir du moment où on sait les manier, on est comme. C'est comme si on était immortel. Donc voilà, c'est un peu. Moi, c'est un peu ce qui m'a déçu sur certains points. C'est que. Au bout d'un moment, on. Ça devient un peu cheaté, on tue trop facilement les ennemis. Et à mon souvenir, je suis pas mort. Je suis pas mort beaucoup de fois dans ce titre. Peut-être. Bon, en tout cas, je suis sûr moins de 10 fois. Enfin, peut-être une dizaine de fois, mais je suis pas mort beaucoup. C'est. Voilà, c'est. C'est ce que ça devient. Dès qu'on a pris le pli d'utiliser les super pouvoirs, on. C'est relativement facile et on réussit plutôt facilement. Bon, là, comme je vous parle en même temps, c'est pas facile. Et je risque de me faire buter. Bon, après, c'est vrai que non, c'est bon, je vais peut-être y arriver. Mais pas dans le temps imparti, j'en suis sûr. C'est vrai que parler en même temps, c'est pas. C'est pas ce qu'il y a d'idéal. Voilà, là, je fais d'une pierre deux coups. Ils sont où les autres? Là, il y en a un. Hop, tiens, toi, je te tue, je te récupère ta santé. Ah oui, donc, ouais, important, j'en ai pas parlé aussi. Le système pour récupérer de la vie, c'est avant, dans Saints Row 3, je sais pas si vous vous rappelez, il fallait tout simplement. Il fallait tout simplement, comment dire. Allez, je peux utiliser le super écrasement. Il fallait tout simplement attendre que votre personnage. Enfin, que la jauge de vie de votre personnage remonte. Là, c'est pas pareil, il faut. Oula. Là, c'est pas pareil. Oula, on a. Ah oui, on a ces espèces de balles explosives. Là, il faut bah, tout simplement ramasser les petites croix bleues que vous voyez sur les personnages quand vous les tuez. C'est ça, et uniquement ça, qui vous permettra de récupérer de la vie. Donc voilà, c'est différent, on a un système différent. Bon, moi je trouve que c'est pas plus mal, parce que bon, c'était un peu facile dans Saints Row 3, je trouve, de rester planqué un peu dès qu'on avait besoin de récupérer de la santé. Là, bah, on va toujours le faire, mais bon, ça devient beaucoup moins évident. C'est vrai que les ennemis sont un peu plus agressifs, comme j'ai dit, l'IA s'est un peu amélioré. Bon, c'est pas pour ça qu'elle ait besoin de tout défaut, elle a quand même des soucis, mais généralement ils sont. Merde, je l'ai. Ah, elle s'est améliorée. Voilà, allez, toi je te bute. L'IA s'est améliorée, bon. Légèrement, mais je trouve que les ennemis sont devenus un peu plus agressifs, pardon. Et que c'est donc un peu plus compliqué de faire comme avant, c'est-à-dire de jouer la carte, de se planquer dès qu'on a plus de vie. Là, il faut un peu bouger pour essayer de. Faut essayer de tuer du monde, en fait, pour se récupérer sa vie. C'est ça que je veux. Que je vais vous dire, c'est tout con. Bon, moi je trouve ça pas plus mal. Franchement, c'est un système de récupération qui me plaît. Je passe mon temps à lancer les ennemis, je pourrais faire un peu autre chose. Hop, tiens, par exemple, toi je t'explose. Ça lui a pas fait grand chose, allez, madame. Bon, allez, on va devoir voler dans le mur si ça te suffit pas. Voilà. Donc, je crois que je vous ai parlé un peu de tout. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Ah, le multi. Ah mais le multi je peux vous en parler, à part la coop où je connais vaguement des trucs, je peux vous en parler parce que j'ai pas testé. Bon après j'en sais rien, bah, vous pouvez vous renseigner sur d'autres sur les sites de test hein, de jeux vidéo, ils ont dû en parler. Moi je pourrais pas vous en parler vu que j'ai pas testé ça. En tout cas ce jeu bah, je ne peux que vous le conseiller, moi en tout cas je l'ai plutôt bien apprécié. Donc si vous aimez les jeux barrés Si vous aimez les jeux barrés comme les précédents Saints Row, si vous avez toujours aimé cette. Merde, faut que je récupère de la vie. Si vous avez apprécié les autres Saints Row, bah, moi je vous conseillerais de le faire. Vous ne pourrez être que satisfait par ce jeu. Hein, c'est. L'esprit Saints Row est conservé. Moi j'avais peur de ça, c'est qu'ils conservent pas l'esprit Saints Row et qu'ils sombrent un petit peu dans une connerie intersidérale avec leur super pouvoir. Et finalement, bah, ils ont su conserver. Ils ont su conserver. L'esprit. Ah oui, il faut que je reste dans cette zone en fait. Et que je la défende. Ah d'accord. Ah merde. C'est pas vrai ça. Hop, tiens, toi tu voles. Ah merde, ils font tous exprès ou quoi? Ils me balancent tous ces. Oh là là. Tiens, voilà.
Donne-moi de la vie. Oula. Bon, j'ai perdu, il me semble. Bon, justement, ça tombe bien, si j'avais prévu d'arrêter cette vidéo, je vous ai parlé de tout. Je vous ai parlé de l'aspect graphique, ce que j'en pensais. Moi, graphiquement, comme je l'ai dit, c'est pas un jeu qui m'a fait chavirer l'esprit. Mais c'est pas prévu pour ça, en tout cas, pour ceux qui veulent déconner entre potes, pour ceux qui veulent un jeu bien sympa, et qui veulent un jeu, bah voilà, qui les fasse marrer, un jeu bourré de références. Notamment sur des films, il y a aussi quelques références, je pense que j'ai repéré quelques références sur des films. Bon, ceux qui aiment bien ce genre de jeu, un peu déconnade et tout, etc., ceux qui ont aimé les Saints Row, vous aimerez celui-ci. Je ne vais pas parler des boss, parce qu'il y a aussi des petits boss à chaque fois. Pour récupérer les super pouvoirs, à chaque fois on affronte un boss donc qui est équipé de ce super pouvoir, et donc à la fin on lui pique, on se... Enfin, comment dire, je sais pas comment expliquer. Oh, ouais, voilà, c'est le mot. On se fusionne justement avec le boss. Et enfin voilà, dès que vous le battez, vous appuyez sur des touches, il y a une petite QTE. Et donc vous fusionnez avec le boss, ce qui vous permet de récupérer le super pouvoir. Donc voilà, vous savez tout maintenant. Après, à vous de voir si ça peut vous intéresser ou pas. En tout cas, méfiez-vous de vos préjugés, parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'avais un préjugé assez négatif. Voilà, je me disais que ça allait pas être un jeu si sympa que ça. Je me suis dit, ils vont tomber dans la médiocrité. Et finalement, bah, je me suis trompé. Et j'avoue, hein, ma connerie, j'avoue mon erreur. Je me suis trompé et j'ai vraiment apprécié ce jeu. Donc, si je devais lui mettre une note sur 20, moi, je lui mettrais un 17 sur 20. Voilà. C'est vraiment un jeu qui m'a tapé dans l'œil. Alors, je saurais pas vous dire pourquoi 17 sur 20 lui plutôt qu'un autre. Mais en tout cas, moi je l'ai vraiment apprécié. Quant à dire s'il est meilleur que la précédente Saints Row, là je n'irai pas jusque-là. Moi je dirais qu'on est plutôt dans la continuité des tous les opus Saints Row. On est tout le temps dans le même esprit, dans l'esprit de déconnade, dans l'esprit de un peu de folie, de débauche, un esprit, voilà, un esprit malhonnête, un esprit où on fait n'importe quoi, un jeu où on peut faire vraiment tout ce qu'on veut en toute impunité, même s'il y a la police. Attention, la police veille quand même. Bon, là en même temps, c'est la police de Zignac, donc ils nous en veulent très facilement. Vous n'avez pas intérêt de déconner parce que sinon vous les avez direct aux fesses. Donc voilà, je vous ai dit après tout ce que je voulais vous dire. Voilà, si vous voulez déconner, ben, n'hésitez pas, foncez. Il y a plein de trucs à faire. Moi, comme vous voyez, j'en suis qu'à 36% et j'ai fini l'histoire principale. Il y a vraiment de quoi faire. Là, j'ai mis 15 heures pour finir l'histoire principale, je précise. Je dirais qu'il en faut bien 35-40 pour finir le jeu à 100%. Mais je dis un 35-40 à titre indicatif. Hein. Ça variera selon vous, selon votre rapidité. Là, je l'ai faite assez vite, la campagne. Donc voilà, en 15 heures, j'ai été quand même assez vite. Bon, après, ça dépend des personnes. Moi, en tout cas, j'ai mis ce temps-là. Après, ça prendra un peu plus longtemps, comme je vous dis, si vous voulez faire le jeu à 100%, ça vous prendra peut-être une quarantaine d'heures. Mais foncez, il y a de quoi faire. Foncez, 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 il y a de quoi faire, il y a pas de souci. Si vous voulez un jeu durable, où vous avez plein de trucs à faire, où vous pouvez déconner entre potes, etc., allez-y. Je me répète un peu, mais j'ai vraiment envie que vous l'achetiez, parce qu'il est excellent. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller, je vous le conseille, foncez en magasin. En plus, il n'est pas très cher sur PC, il est à 45 euros, je précise. Donc bah allez-y, foncez, hein. C'est pas vraiment cher payé pour un jeu de cette envergure et de cette longueur. Parce que 45 heures de jeu pour 45 euros, ouais, ça va. Ça fait vraiment, ouais, c'est potable, ça va, c'est pas mal. Donc bah voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que bah, ça vous aura étanché votre soif de Saints Row 4. Ah oui, non, ah oui, je voulais vous présenter un petit bonus aussi, un petit truc parce que moi j'ai eu l'édition Commander in Chief, donc en précommandant le jeu sur Steam, on a l'édition Commander in Chief qui donc inclut cette tenue. C'est vrai que pour ceux qui n'ont pas cette édition-là, vous vous demandez peut-être comment j'ai eu cette tenue. Bah, je l'ai eu grâce à ce DLC, le DLC Commander in Chief, qui est peut-être même disponible à part. Je ne dirai rien parce que j'en suis pas sûr. Mais voilà, j'ai eu le pack Commander in Chief, donc qui comprend. Cette tenue qui comprend une arme que je n'ai pas là, mais une super arme de ouf qui tue tout sur son passage. Une arme qui en inclut 6 à la fois, je crois. Et vous avez ça, que je vais vous montrer vite fait. Donc téléphone, véhicule, Screaming Eagle, voilà. Donc vous avez ce petit... Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Vous avez ce petit bonus, donc qui est tout simplement un aéroplane assez... assez étrange, qui vous permet comme ça, vous voyez, d'envoyer des roquettes, de détruire tout sur votre passage si vous voulez.
Regardez, là on va faire un exemple, on va démolir tous ces bonhommes, voilà. Voilà, donc voilà, on a même un rayon laser, vous voyez, c'est un truc de ouf. Hein. Bon, quand je vous dis que ça déconne. Quand je vous dis qu'on est dans la déconnade la plus complète, je ne vous mens pas. On est bien dans la déconnade la plus complète. Ah, bah j'ai détruit ça au passage. Et on va se quitter, bah, ma foi, sur ce sonnant et trébuchant carnage. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je crois que là on va vraiment s'arrêter. Je vais arrêter de dire que cette vidéo est finie, mais en fait continuer. Non, là, allez, là c'est vraiment fini. Je vous dis à plus, je vous dis merci, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas, moi je vous dis abonnez-vous, ce serait sympa si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime. Et abonnez-vous, il y aura peut-être encore du. Ah, au bout d'un moment il explose. Ah, ça m'a fait une surprise, je savais pas du tout. Petit fail de ma part pour la fin. Donc, bah voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Il y aura encore du Sensro, je pense. Je referai des vidéos détente, notamment peut-être avec Jospin s'il vient chez moi. J'ai prévu qu'on fasse quelques vidéos à deux avec Jospin. Ça fait un petit moment, je pense qu'il vous manque. Il vous manque. Je sais que vous êtes triste de voir Jospin, mais c'est vrai que bon, on n'habite pas tout près, tout près. Et quand on se voit, bah, on préfère plutôt aller traîner entre potes et boire un coup. aller boire un coup au bar et tout, etc. Et rester entre potes que de faire des vidéos, on pense pas vraiment faire des vidéos. Mais voilà, je vous promets que bientôt je referai des vidéos avec Jospin pour votre plus grand plaisir. Et bon, en attendant, il y a Zitox qui refera d'autres vidéos avec moi. Ne vous inquiétez pas, vous le retrouverez assez régulièrement. Donc voilà, sur ce, j'arrête de vous bassiner. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne journée. Et bah à la prochaine, les amis. Bye bye.